que vous allez bien. Je vais rebaisser le son, comme d'habitude, du jeu pour l'instant. Et j'espère que vous êtes bien installés aujourd'hui. On va continuer notre... Merci Maléas. On va continuer notre partie sur Golden Sun. On va continuer... Ouh, mon cadrage est pas bon. Tant pis, on fera avec. Et du coup, on va continuer notre partie donc sur Golden Sun. On était pour souvenir dans une forêt magique dont j'ai oublié le nom. Pour sauver le vieux arbre divin qui a transformé toute la population du village de Kolyma en arbre. Voilà. Parce que ces gens-là ont pris du bois de la forêt pour construire un palais pour McCoy. Et pour les amis de François Pérus, vous aurez une référence que j'ai en tête aussi. Du coup, les deux minutes du peuple. Voilà pour ça. On va y aller dans pas longtemps. Hop là. On attend que l'image du jeu se charge et on va pouvoir continuer. Allez, voilà, parfait. Hop. Et on est dans la forêt de Kolyma, du coup. Qui est du coup aussi le nom du village. C'est parti, on y retourne. Hop. Alors, on est de retour là. Je suis en train de me demander si j'ai utilisé le bon fichier. Et non. Eh bien, c'est pas grave. On va redémarrer. Hop. Ta-ta-la, ta-ta-la. Reset. Oups. On y retourne. Quoique, en regardant la partie segmentée que j'ai fait là, hop, que j'ai enregistré la dernière fois, hop, donc on est dans l'arbre traite. Je me suis rendu compte que je m'étais plein de touillé sur l'énigme. J'aurais dû pouvoir la résoudre beaucoup plus facilement, mais j'ai pas été malin, tout simplement. C'est pas grave. On fera du backtracking à un moment ou un autre. Donc, ici, hop. Coucou Barmic et bienvenue sur le live. Donc ici, hop, on est sur nos énigmes avec l'étoile d'araignée. Et les feuilles cassées, et si je repasse sur une feuille cassée, je tombe d'un étage. Sans me blesser, c'est pratique. Mais là, je ne peux pas y aller. Et là, si je reviens là... Je reviens à là où j'étais, ce qui ne me sert à rien. Est-ce que je peux recharger? Pas en sortant et en re-rentrant. Oui, c'est beau la vie. Petit combat. Hop, bon, une petite araignée. On va s'en charger rapidement. Hop. Pas tant que ça. Voilà, hop. Du coup, on recommence. Ah oui, mais comment je fais pour aller sur l'autre côté, moi, hein? Je peux traverser par là. Je fais faire exprès de tomber, puis on va voir où est-ce que ça nous emmène. Ça nous ramène à un endroit qu'on connaît déjà. Cette liane, on l'a déjà. C'est par là qu'on est monté, je crois. Là, 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 là. Là, je peux pas passer. Donc, je suis obligé de sortir par ici. Hop. On grimpe. Donc, on explore un arbre. C'est le prémisse du donjon, hein, puisque c'est sensiblement un donjon. Hop. Ouais, allez, hop. On va utiliser la magie la plus faible, et puis toi t'en as encore plein. Hop, la magie la plus forte. Hop là. Hop. Comment tu vas, Barmic? Tac. Il y a une porte par là, mais je crois que j'ai vu une liane. Tac. Oh, ça va, tranquille.
Il fait beau, il fait bon. On est bien installé. J'ai du thé. On est bien pour cette session. Je regarde des apparts. Celui que tu as est devenu trop petit. Enlève la défense, ok, intéressant. Hop. Ah oui, effectivement, dans ce cas-là. Le but. Oh, bah tiens, un jean, bonjour. Hop. Un jean Jupiter. Ouais, effectivement, si tu peux avoir un bureau à toi, effectivement, ça serait sûrement plus confortable, je peux comprendre. Un jean d'air, est-ce que si j'utilise une magie de terre dessus, ça lui fera plus de dégâts? On va y aller à fond, donc lui, sinon. Tac. Il s'est enfui. Bon, tant pis. Là-bas. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Une noisette, 200 PV gratos. Ouais, mais alors ça m'avance pas sur où est-ce que je dois aller par la suite. Faut que je retombe. Quoi? Tu n'as pas un OnlyFan? Non, pas par là. Bon, quoi que si, allez, vas-y. J'étais obligé de préciser. Il essaye de fuir, ok. De PV, on pourrait être mieux, mais bien sûr que t'étais obligé. Pas par là. Je vais me perdre 8 fois au moins dans cet arbre du coup. Je suis pas très très fort pour m'orienter dans les arbres. Donnez-moi une carte et je m'en sors. Mais... dans un arbre, j'ai du mal. Boum. Il y a deux fois d'affilée. Boum. Allez, on grimpe. Du coup, il y a un djinn dans l'arbre qu'il va falloir trouver. C'est pour ça que je me souvenais que dans ce jeu, il y avait... Je suis confus. On va y aller à fond, hein. Option nucléaire sur tous les ennemis qu'on va croiser jusqu'à ce qu'on arrive à trouver. Une sortie. Inondation. Dégâts des eaux pour tout le monde. Voilà. Ouais. Là. Voilà. Est-ce que j'ai déjà essayé de regarder par là? Ah bah il est là. J'aurais peut-être dû me soigner avant, c'est pas grave. Stalactite.
Volcan. Exir, non. L'anneau de soin, il a cassé. Bâton chaman, il a plus d'herbe pour soigner les copains. Bon, tu sais quoi. Autant y aller à fond. Ah. Bon, ben... Eh ben on est là pour le premier chaos de l'histoire. Et on se retrouve à Kolyma. Ok, le dernier endroit qu'on a visité. Dans quel état sont les personnages? Ah ouais, d'accord. Alors. Bien. Eh ben écoute. Donc. Ça va compliquer les choses. Puisque je n'ai pas vraiment moyen de... Tirant 500, la griffe de fouine. Ok, aucun objet de dégâts. Ok. L plus A pour organiser. Oui, c'est pratique. Tiens, d'ailleurs, ça va être l'occasion de voir. Ticket venant de Tolby. Ok, c'est tout ce que ça me dit à propos de ça. Donc, je n'ai pas moyen de... Ok. Je n'ai pas moyen de soigner, revitaliser instantané, je sens. Oui, bon, j'en ai plein. Hop. Et du coup, il faut que je retourne dans la ville la plus proche pour avoir accès à un prêtre. Prêtre qui, bien évidemment, me permettra de ressusciter les membres chaos de l'équipe. Ta-da, ta-ta-la, ta-ta-la. Donc on retourne à Bilibin. Où est-ce que tu es, prêtre? De l'autre côté. Je me souviens, dans ce qui ressemble à un entrepôt, ici, voilà. Pousse-toi. Bonjour, monsieur le prêtre. Ressusciter des gens. Qui dois-je ressusciter? Oh, purée. Ouais, donc ça va qu'on a accumulé un petit peu d'argent depuis, mais... Ouais. Et du coup... Voilà. Purifier, repousser, délivrer, y'a pas besoin. On a personne qui est empoisonné et on n'a pas d'objet maudit pour le moment. Ils sont pleins de points de vie, ça c'est bien. Pendant que j'y suis, je crois que je sais par où il faut passer pour aller chercher le djinn. Qui se trouve sous la ville. C'est... Alors, je suis quasiment sûr de l'avoir vu la dernière fois. En regardant le replay... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je peux pas passer par là. J'étais sûr que c'était par là. Là. Ici, il faut que je monte là. C'est ça que j'avais vu. Hop. Alors, comment je fais pour monter sur la barricade? Bah, faut repasser par le temple, évidemment. Hop. Regardez-moi ça. Hop. Tac. 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 Et là. Et là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Synergie. Toi, tourbillon. Boum. Un chaos. Une opportunité. Difficile de descendre. Non, ça c'est la télépathie, ça c'est déplacé. Hop là, boum. Bonjour.
Oh bah lui, il a pas besoin de combattre. Ça, c'est génial. Hop. Et voilà. On a peut-être pas eu celui dans l'arbre, mais on a eu celui la ville, celui sous la ville de Bilibin. Ça, c'est cool. Alors, hop, on va... Eh ben, il est déjà mis. Est-ce que ça a changé quelque chose? Il est passé Éosage au lieu de Éomage, je crois. Et ça n'a rien changé à ce qu'il peut faire pour l'instant, vu que c'est son élément de base. Ok, bon. Vous savez quoi? On sauvegarde. Comme ça, ça s'est fait. Voilà. Hein. C'est pas parce qu'on perd une fois, on a tout perdu. Hop. Ah. Je me suis renseigné, il n'y a pas de fast travel, il n'y a pas de moyen de téléportation dans ce jeu-là. Il y en a un dans le suivant. Ils se sont rendus compte du truc, donc bon. On courra de ville en ville pour aller rechercher à nouveau ce qu'on aura eu raté. Par contre, maintenant qu'on est un peu riche, ça vaut le coup d'aller regarder les armes. Est-ce qu'il y a des reliques? Ah! Alors, un bâton. Et un autre bâton. Ok. Il y a moyen de comparer les stats. Oui. 38-56. Ok, on monte à 56 avec celui-là. Et j'imagine que la bannette de Benny permet une meilleure. Ok. Et dans les armes standards, il n'a pas de bâton. Ok, donc on va aller prendre la relique. Tac. Boum. Oui. Hop. Qui va prendre le ticket de jeu? Bon, on va garder lui. Hein. Ok, pas besoin d'autres bâtons pour l'instant. Épée longue. Glaive. Coute là. Une hache ou une masse lourde? On va aller voir ce qu'ils ont en armure. Non, eux, pour l'instant, ils en ont pas. Alors, des armures de cuir, ouais. Et c'est quand même substantiel. Hop. Ah. On va faire un petit peu de gestion d'inventaire. Donc ils ont droit qu'à 3 pages d'inventaire. Et bah tu sais quoi, l'herbe on va la donner. Tac. Tac. L'agilité doit déterminer qui agit en premier. On va booster l'agilité. C'est notre personnage principal. Allez. Hop. Le porte-bonheur qui sert à rien. On va le donner à notre porteur des objets qui sert pas à grand chose. Aveugle les ennemis. Pareil. Boum. Goutte d'huile qui inflige des dégâts de feu. On va le garder sur lui, des dégâts, je ne sais pas quel type de dégâts, des antidotes. On va le donner à celui qui est le plus rapide. On n'en a donné qu'un seul. Hop. À celui, non. Comme je le disais, qui est le plus rapide. Hop. La gestion d'inventaire, c'est génial. Ok. Voilà. On va pouvoir acheter. Bon, oui, c'est bien ça. Et la robe de voyage. Ah lui, il peut prendre une robe de voyage. Ouais, mais il a déjà le gilet. Bon, allez, hop, armure de cuir. Parce qu'on se fait un peu... Oui, oui, on va revendre l'ancien équipement. Encore un ticket de jeu. Hop. À un moment, on m'expliquera à quoi sert le ticket de jeu. C'est pareil. On va leur donner des boucliers. Ça leur permettra de survivre un peu plus longtemps. Hop.
fait les emplettes, hein. Tac. Donc lui, il a déjà un bracelet de cuir. Alors, en cuir. Oui, mais lui, il a un bracelet et ça, c'est une bourse. Deux, un casque, un vrai casque. Parce que bon. Eh ben c'est qu'on en a des tickets de jeu. Le chapeau. Sur des grosses évolutions de défense dans ce cas, en termes d'équipement d'armes, l'épée longue est mieux que... Bon, lui ça augmente que 2, lui ça augmente de 6, je sais calculer, promis, j'ai fait des mathématiques quand j'étais au CP. Est-ce que j'ai un fait... Ah, de toute façon je peux pas. Écoute là, il permet de monter à 60, ah, plus 20, ouais là on est quand même sur quelque chose. 71, 73, on va essayer d'optimiser. Le coût là du coup lui permet de monter à 75. Et bah écoutez, hop, on va partir là-dessus, révise avec tes enfants. Il y en a qu'un qui est aussi, merde, il a aussi 20 maintenant, donc non, ça marche pas. Hop. Voilà. En termes d'objets de soins, de toute façon, on est broke, il n'y a plus de monnaie. Hop. Raté. Hop. Et on va pouvoir retourner à l'aventure. En courant. Parce qu'en marchant, ça prend sa vie. Hop. Là, on n'a pas le choix de ce côté-là pour déplacer. Et on retourne dans le bois. Foncièrement, c'est pas si loin. C'était juste qu'il fallait se refaire le passage. Est-ce que tout est toujours facile d'accès ? Non. Eh bien, bon appétit, Barmic. Ah, faut se refaire les énigmes quand on revient. C'est génial. Ah, c'est pas grave. On tape plus fort. Et on perd moins de PV. C'est quoi l'astuce déjà ici? Du coup, on va invoquer Jupiter. Juste pour la flemme. Cool. Voilà. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il y a un truc caché par là, ça veut dire. J'ai appris que ce petit bruit indiquait qu'un truc était caché. Oh là là. On peut passer l'antre, non. Voilà, donc pour ceux qui avaient déjà vu l'épisode précédent, hein, vous remarquerez donc que j'ai déjà oublié comment on fait pour passer, et comme je... Il a pris soin, c'est pratique. J'ai déjà oublié comment passer.
vous gérez. Donc, vous allez prendre plein la tronche. Hop. Bon, le mur de feu pour avoir un soldat rat, c'était peut-être un peu abusé. Hop. Pas le choix. Je sais qu'à un moment, on va récupérer un quatrième personnage lié à l'eau et qui me semble à une spécialité plus en soins. Allez, on pousse. Ça, je pouvais le faire avant. C'est ça que je peux faire. Hop. Squelette. On va économiser un petit peu de... Deux points de magie pour celui-ci. C'est bon. Ouh, coup critique de l'abeille. C'est l'occasion de tester le soin. 150 PV, ça fait beaucoup. Coucou Saladia, comment tu vas? Fatigué, qu'est-ce que t'as encore fait? Trop de folie? Effectivement, oui. Les joies des conventions. Par où faut que je passe maintenant? Il faut que je fasse le tour par là. Bien passé la convention, du coup? C'est juste dire bonjour avant d'aller faire la sieste. Ça marche. Tac. Bon bah tant mieux si ça s'est bien passé. Hop. La dernière représentation de Mario. Comment ça la dernière? La dernière que vous allez faire ou la plus récente? Que vous ayez travaillé? Là, c'est la suite. C'est secret ou vous pouvez teaser déjà? Faut que je me refasse l'énigme ici aussi. Un secret! Le secret de Mana. Remarque, ça ferait un thème. Oh, tu seras même pas présent.
Alors. Il faut que je me souvienne, parce que dans le replay, c'était évident de ce qu'il fallait faire. Ah ! La mémoire, la mémoire. Arriver à aller vers ce coffre. Bon, au moins dans cette zone, il n'y a pas de combat pendant que je manipule les bouts de bois. Non, c'était pas ça, c'était presque ça. C'est toi. Tu vas là. Ouais, mais il faut que j'ai d'abord fini l'autre partie avant de pouvoir faire ça, c'est ça? Bon, j'ai déjà oublié ce que l'idée géniale que j'avais eue la dernière fois. Hein. Promis, on arrivera jusqu'au coffre. À un moment ou à un autre. Parce que là, ouais, là, je peux sauter normalement de là à là et faire le tour. Aïe aïe. On referme l'écluse et on re-inonde la zone. Raté. Toujours pas. Réussir à viser. Le levier. C'est pourtant simple. Allez toi, libère le passage. Je retente un dernier coup. Allez, l'emmener. Lui, il faut l'empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est toujours pas ça, hein. Là va trop loin. Celui-là doit aller là. Celui-là doit aller là. Et je ne sais plus. J'avais eu une idée géniale.
J'avais trouvé la solution en regardant ce que je faisais, et ça m'a échappé. Du coup, tant pis, on retourne dans l'arbre. Rebonjour madame. Hop, et on y retourne. On retourne dans l'arbre. Allez, hop. Si vous êtes perdu dans l'arbre, moi aussi. Au moins cette fois-ci, on a un peu d'équipement. On est un peu plus résistant. Planté. Je vous jure. Il faut que je retrouve comment on fait pour passer. Bon, des fois c'est simple. Rien par là. Rien par... Il y a un combat par ici. Allez, boum, des dégâts en plus. Voilà. Vous connaissez les tapettes à mouches électriques? On fait pareil avec les abeilles dangereuses dans ce jeu. Hop! Donc nous, on doit prendre la vigne qui grimpe, si je me souviens bien. Je pensais pas que le reste survivrait aussi. Enfin, que ce soit cette araignée-là qui survivrait, mais elle a survécu. Bon. Eh ben écoutez. On va faire une petite sauvegarde. On va faire une petite pause. Hein? Écoute. Hop. Voilà. Hein? Si vous nous suivez sur YouTube, c'était un épisode plutôt calme. Hein? On revient sur nos pas, manifestement. Oui, la lumière derrière moi flash, oui. La caméra a du mal avec le fait qu'il fasse beau et qu'il y a un arbre à côté de la fenêtre, donc je flash, oui. Voilà, donc je vais essayer de trouver une solution. Sur ce, écoutez, j'espère que même si l'épisode n'est pas très dynamique, vous avez apprécié. Si vous avez des conseils, des guides, des choses qui pourraient être utiles pour la suite, n'hésitez pas, ça aide toujours. Commentez, dites-moi ce que vous avez préféré, pas préféré, ça marche aussi. Likez, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir, ça aide. L'algorithme est en train de pousser les vidéos sur YouTube à des gens qui n'ont pas forcément envie de les regarder, donc
où vous pouvez recommander à d'autres personnes d'aller les regarder, et bah ça fera toujours du bien, ça aidera tout le monde à trouver tout ça intéressant. Voilà. Allez, des bisous. Et on va bientôt repartir. On repart exactement là où on s'était arrêté. Si vous nous joignez sur YouTube, eh bien, re-bienvenue. J'ai envie de tester ce que font les araignées pour plus tard. Mais là, ce que je veux, c'est aller prendre la liane qui est là. Parce que je crois que c'est par là qu'il faut aller. Hop. On cherche à aller au cœur de l'arbre. Pour sauver son cœur de petit arbre, pas de petit arbre, hein, d'arbre millénaire, tout de même. Hop, hop. Et de voir donc. Ah, bon, il y en a deux qui s'enfuient, donc c'est pratique. Frimas, magie de glace qui fait assez mal. Boum, pourtant une électrocution. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on ressort par là. Regardez. Est-ce qu'il serait là-haut le djinn? Voilà. J'aurais à nouveau dû me soigner avant de lancer ce combat. Un jour, j'apprendrai de mes erreurs. C'est pas bon aujourd'hui. Ça fait mal. Mais j'ai des points de vie. Tentant. On va essayer. Ouais. Ah oui, augmenter l'attaque de tout le monde, c'est bien. Tac, tac, tac. De l'herbe sur lui, puisque c'est lui qui a le plus besoin d'avoir des PV. J'ai bien fait de faire ça. Hop. Est-ce que j'ai un soin de masse maintenant? Soin qu'une seule personne. C'est risque. Non, lui. Il en a vraiment besoin. Lui, c'est fait. Est-ce que t'as quelque chose pour soigner quelqu'un, toi? Bah oui, tiens, regarde. Ça sert à quelque chose. On a dit qu'on invoquait, du coup, de la terre pour combattre l'air. Ah oui, mais c'est vrai que du coup, l'affinité de terre de Yvan gagne en puissance. Merde, il s'est enfui. Il y a un truc caché. Petit bruit qui nous dit qu'il y a un truc caché. Là, on en revient toujours à cet écran. Oui, alors ça servait à rien. C'est pas ça que je voulais faire. C'était re-soigner tout le monde. Et retenter le combat. À l'avoir. Hein.
pas sûr que ce que j'ai fait fonctionne. Eh oui. Boum boum boum. Tu vas te soigner une fois. Beaucoup d'objets de soins. Non, je pense que... Je sais que j'ai une invocation de terre en attente ou quelque chose comme ça. Ah, il s'enfuit, hein. J'arrive pas à lui faire assez de dégâts en peu de temps. Bon, on va redescendre d'un étage. Tenter l'autre. Non. Je tourne littéralement en rond. Il y a un moment, si vous avez un guide à proximité pour m'aider, je prends. Hop. Parce que là... Yes, oui, paumé. Il va peut-être falloir que je soigne mes gens aussi. Hop, non, raté. Là, hop, hop. Ça suffira bien. Toi t'es à 85, toi t'es à 84, ça ira. Donc je vais pas essayer de recombattre le djinn, ça sert à rien pour l'instant. Je sais où il est. Peut-être une liane qui monte plus haut. Non. Allez. J'ai tenté de fuir pour une fois. Tant pis, tu prendras la foule force et ma colère. Boum. Essayer d'entrer par l'autre côté. Petite électrocution en plus du dégât. Qu'il y ait une autre liane par ici que je n'aurais pas vue. Ça aurait été trop beau. Alors. Et si j'essaye de tomber volontairement dans le trou qu'on voit, est-ce que je peux le faire? Ça se tente. Ça se tente, allez. On crame tout ça. Donc, le trou de mémoire, il est sur la feuille jaune que l'on voit là au milieu. Donc si je fais ça, 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 ça... Ah ah! Est-ce que là on est plus proche et on est plus proche du cœur de l'arbre géant?
Voilà, on va pouvoir soigner son petit cœur de gentil. Oh, brum. Ah, vous espériez me trouver un bon fond. On est littéralement allé au fond. Tape dans le fond. Imbécile. Vous n'auriez jamais dû venir et maintenant vous ne pourrez plus jamais partir. Vos pouvoirs vous ont protégé dans la forêt, mais maintenant vous êtes au cœur de mon pouvoir. Vous deviendrez des arbres et vieillirez avec nous. Eh, plutôt longue vie. Plutôt calme. On prend racine, on s'installe. Traite apparaît. C'est quoi, on va attaquer fort avec directement les djinns. Boum. Suivi des invocations pour Vénus, pour Mars. Est-ce que tu pourras survivre à une autre attaque, toi? J'en doute. Est-ce que tu as de quoi te soigner? Non. Eh bien, tant pis. Et là, on va pouvoir commencer à soigner. Toi, t'as encore moyen de faire des dégâts. Mais ton élément étant celui... Alors, toi, par contre, t'as l'élément qui devrait, en théorie, faire le plus de dégâts. Toi... Allez, on entre en phase 2 du combat. Essayez de survivre à tout ça. Souffle, silex, forge, ok. Et ben on va se soigner une bonne fois. Tac, toi t'as encore de quoi encaisser un choc volcan. Toi, et ben tu vas choc d'ailleurs. C'est risqué. On prend le risque. Sommeil, ça devrait pas faire de dégâts. Les personnages sont endormis, pas grave. Toi, tu peux soigner quelqu'un qui est endormi. Soigner. Ah, ça se passe mieux quand on est un peu tactique. Hein. tac. On va réveiller celui-là. Ok. On est parti. Vénus. Jupiter, on invoque et on est parti. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer contre le djinn. 226 points d'expérience, et bah oui, hein, quand on bat un arbre millénaire, 700 pièces d'or. Presque de quoi acheter une épée. Ah, bah une liane, c'est pratique. Oh. Pour de vrai, Barmic. Que m'est-il arrivé? Eh oui, t'as raté du coup ce qui est arrivé. Je vois, mon cœur était submergé par la colère. Et vous avez vaincu le mal qui me rongeait. Merci. Je n'aurais pas pu quitter ce monde avec une telle rancœur.
Je peux enfin quitter ce monde sans le moindre regret. La forêt a quand même besoin de toi encore. Au revoir, noble guerrier. Hey, un instant, on ne peut pas laisser Trent mourir comme ça, Trent, c'est madame. C'est vrai, Vlad, nous avons besoin de son aide. Quoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir? Avez-vous besoin de quelque chose? Bah ouais. J'ai transformé les habitants de Colima en arbres. Je dois les aider avant qu'ils ne meurent avec la forêt. Magie. J'y arriverai pas. Mon pouvoir n'atteint plus Colima. Ah bah maintenant qu'il n'est plus propulsé par la rage, façon Dark Vador. Habitant de Colima, pardonnez-moi. Ah. Trait est trop faible, il n'est plus assez fort pour sauver Colima. Non, nous devons le soigner. Nous ne pouvons pas laisser les habitants de Colima mourir avec la forêt. Chaque vie dans Colima dépend de nous. Nous devons restaurer Trait et sauver les habitants de Colima. Ok, moi je viens. Si vous avez un plan, les gars. À nouveau, il y a un objet caché par là. C'est ce que ce petit bruit nous indique, mais je n'ai pas encore la magie révélée. Alors, si on repasse par là et qu'on lui reparle, est-ce que il nous en dit plus? Non. Allons parler à Madame Trent, du coup. Bonjour, madame. Partez avant que cette forêt ne soit détruite. Pas très utile, la madame. Pas très utile. Ouais. Alors du coup, je sais pas comment faire, là. Un combat contre un troll m'aidera peut-être. On va soigner Garrett au passage. Et invoquer Mars. Parce que j'ai la flemme. L'électrocution qui arrive une fois de temps en temps peut paralyser, c'est cool. Bon alors maintenant faut que je trouve comment soigner l'arbre. Il y a une porte sous ta tête, tu me laisses rentrer? Non. Merci. Est-ce que la liane qui l'a fait apparaître me permettrait d'aller plus haut? Attends, j'ai une idée. On va quitter la forêt. Repasser par Colima. Ah! Non, j'ai pas envie de faire ça. Va falloir se retaper toutes les énigmes. Non. Non. La flemme. La flemme est un puissant motivateur, rappelez-vous. L'avantage de devenir de plus en plus fort, c'est que les combats sont de plus en plus courts. Je vais quand même retenter d'aller explorer vers le haut. Mais non, la liane, elle s'étend que jusque-là. Faut le soigner, oui, d'accord. Il est faible, d'accord. Et là, j'avoue. Comment est-ce qu'on soigne un arbre qui est quasiment mort, hein? Surtout quand il n'a pas spécialement envie de nous aider à nous expliquer comment on fait pour soigner. Si parmi ceux qui regardent, il y a des spécialistes de la vie des arbres,
mauvais côté. Est-ce qu'il faut combattre les araignées qui pendouillent ? C'est pas lui que je visais, mais c'est pas grave. Boum. Annihiler le... le soldat. Oui. Bon, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Écuyer, 70 pièces d'or, c'est marrant. Raté. C'est ça que je voulais faire. Objet. Non. C'est un peu abusé, mais c'est pas grave. Tac. Allez, on grimpe. Je vais retenter le djinn, ça se trouve. En battant le djinn, on obtiendra une réponse à comment soigner l'arbre. J'ai le droit d'y croire. T'as pas ton épée, toi, donc on va faire plutôt des attaques classiques. Toi, t'en as plein. On va utiliser du feu. Toi, t'as encore plein de pépé. On va utiliser du choc. Les soldats rares ont tendance à fuir quand ils sont pas. Tac. Peut-être qu'avec plus de jeans. Plus de toile. Au-dessus. Toi là. En toi. Une volée d'invoque dans la figure pour commencer le combat. Boum. Et toi, tu passes en mode soin. Toi en mode je fais des dégâts et toi en mode je fais des dégâts aussi. On va y arriver, on va y arriver. On a un nombre de tours limité pour le battre. Non, hein. Bon, c'est pas grave. Donc toujours pas. J'ai pas encore compris comment faire. Je vais prendre le chemin le plus court pour redescendre. Ce qu'il s'agit de remonter. Et... promis, un jour j'arriverai à m'orienter dans cet arbre. Dans 5 ans. Hop. Toujours rien de ce côté-là. Des fois qu'il y a un petit truc qui aide à... Et alors ? Oui, c'est le moyen le plus rapide de redescendre et de remonter jusqu'en haut, enfin jusqu'à l'entrée, hop, du donjon. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, on va essayer d'aller reparler à madame.
ressortir de la forêt et voir un petit peu ce que ça donne. Voir si on peut parler à un prêtre ou aller voir les gens de Kolyma. Oh ! Mais attends, voir. Non. Les eaux guérisseuses du phare de Mercure pourraient sauver Traite. Bah voilà ! Mais la fontaine s'est asséchée depuis longtemps. Bon. Bah voilà. Boum. Les eaux miraculeuses de... du phare de Mercure. Plus qu'à trouver le phare de Mercure. Oui, j'ai abandonné l'idée d'aller chercher ce coffre. Ah, 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 zut. Hop. On a un indice. À nouveau, la télépathie nous aide à avancer dans le scénar. Et hop, on glisse. Vous êtes prêts ? Zoula ! C'est pratique. Allez, on sauvegarde ici. Hop. On va y arriver. Oui. Et on se dit à bientôt. Pour ceux qui regardent sur YouTube, à très vite dans tous les cas. Si, du coup, à nouveau, hein, je réitère, si vous avez des guides, des choses, des explications qui pourraient permettre de récupérer éventuellement ce coffre ou de battre ce djinn qui nous agace dans l'arbre, eh bien écoutez, ce sera avec plaisir. Je prends, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, surtout à des gens qui pourraient apprécier de voir Golden Sun le premier, date quand même d'il y a 20 ans, donc il y a sûrement des gens que vous connaissez qui n'ont jamais joué, comme Barmic par exemple. Partant de là aussi, on se retrouve très bientôt. Bisous! Et on va y retourner dans très peu de temps, parce que du coup, hop, on est bon pour retourner. On se retrouve exactement là où on s'était quitté la dernière fois, si vous nous joignez sur YouTube. On vient d'apprendre que les eaux miraculeuses du phare de Mercure pouvaient soigner notre arbre malade et sauver toute la population de la ville. Il a transformé, quand il était en colère, en arbre. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le phare de Mercure. Au hasard, doit être complètement lié à l'eau. Et surtout, doit être complètement à l'est. Avec un peu de chance. La dernière fois, on a essayé d'aller au nord. Je sais plus quel phare élémentaire c'était. On était carrément pas assez fort. Donc, c'est plus facile de repartir que de rentrer hein, dans cette forêt. Ouais, peut-être pas. Hop. Allez. Un petit peu d'électricité pour tout le monde. Hop, non. Niveau 11, des pièces d'or, c'est pas grave, hop, tac, on peut toujours pas passer par là, comme je disais, beaucoup plus facile de repartir que de rentrer dans cette forêt. Boum. Je crois que c'est la chance qui augmente les probabilités de faire... Alors... Ok. Et maintenant le phare de Mercure. On parie qu'il est par là. On parie. Tout au bout de la Terre. J'ai pas de carte du monde. Là. Chercher de l'eau miraculeuse.
Oui, bon, c'est un peu gâché de cramer un 1 et au sage. Est-ce qu'il gagne une nouvelle magie? Non, pas de magie. Non. Par là. Quelque chose. Le pont de Colima. Ah bah oui. Évidemment. Le gars qui s'occupe du pont, là. Hein? C'est un arbre, maintenant. Non. Bon, bah... pas par là. Par là, à travers la forêt. On retrouve des zombies, ça faisait longtemps. Ouh, bon, quand on est sur la carte du monde, autant y aller à fond. Bon, l'avantage, c'est que quand on reviendra en ville, on aura... Donc eux, ils nous servent toujours à rien. Là, c'est bloqué. On peut pas aller plus au nord. Par là, du coup. Non. Et ben, pour ceux qui se souviennent, on avait essayé d'aller au nord une fois il y a longtemps. Dans une zone glacée. Je pense que c'est là où on va devoir aller. Au hasard, neige, eau, mercure, part de l'eau, tout ça, tout ça. Bon, eh ben écoutez. Hop là. Coucou les gens entassés les uns sur les autres. Oui, ces trois arbres sont des gens entassés les uns sur les autres. Passer par l'auberge, hein. Quitte à, on va se soigner gratos. Se rééquiper un petit coup. Pas gratos. Grosse session de soins. Donc, un peu de backtracking. Hop. L'apothicaire, est-ce que... On va finir de prendre de l'équipement qui coûte cher. Non, ça c'est un baril. Tac tac tac. Non, pas d'armure rare en ce moment. Est-ce que je peux vendre des trucs? Ah oui, t'as, j'avais pas vu, j'avais récupéré une potion, c'est pas mal. Ça c'est équipé, ça pourrait être utile à l'occasion, ça rend trop plein de vie. Donc toi t'es déjà équipé d'armure de cuir, toi tu peux pas l'utiliser mieux. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Le bouclier, normalement ces deux-là sont déjà équipés, toi tu peux pas t'en équiper. Le gant en cuir, nul, toi ça t'améliore. T'aurais bien besoin. Le bracelet, c'est... ouais, ok. Le casque, ceux-là, ils ont déjà. Le shampoo. Un de plus, c'est pas la peine. Pour 4 de plus, ça vaut le coup pour lui. C'est mieux que la tiare. Allez. On va lui redonner un peu plus d'endurance. Tac. Au final, ça nous a coûté 310. Le gant en cuir. Pour lui. On gagne un peu quand même. Ces 4, faudra m'expliquer à quoi ils servent ces tickets de jeu. La robe de voyage. Ouf, hein. Hop. On a dit que le glaive, par contre. Et ouais, grosse amélioration.
parce que j'ai une idée. Hop. Dans les objets, le cimetière, si je le donne. Et non. Le cimetière, je peux le vendre. Je perds la... Voilà. Je perds la capacité à lancer vive l'âme de temps en temps. Mais... Du coup, je peux acheter autre chose. Si, plus 12, allez. Un autre monde si seulement j'avais été un peu plus jeune. D'accord. Vous allez m'expliquer à quoi servent les tickets de jeu. Il y avait un guérisseur très doué habitant Val, mais il n'est plus. Ok. Ok, mec. Tac, 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 tac. Pousse-toi. Hors de mon chemin. Hop. Alors. Les élixirs, c'est pas mal. Les plumes sacrées, rencontres aléatoires rares. Bon, tant pis. Je vais reprendre un peu d'herbe. Pour lui. On peut en prendre jusqu'à 30. Pas besoin de temps, mais... 10 pour récupérer quelques PV de temps en temps, c'est pratique. Ça peut être pratique. Il m'en reste qu'un seul. On prend 2. Et on a besoin de faire 2000. On est bon. Je sais toujours pas à quoi servent les billets. Non, bon. Poussez-vous. Petite sauvegarde avant de partir. Hop. On est reparti. Et donc cette fois-ci, on va au nord. Dans la zone de neige, en espérant que ce soit par là qu'il faut y aller. Parce que sinon, je suis paumé dans le scénar. Ah, ça fait du bien d'avoir tout le monde en forme. Hop. Le rat a mieux survécu. La mémoire, c'était par là-bas qu'il fallait aller. Hop, 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 hop. Une petite grotte. L'entrée de la caverne d'Abilibin. Hop, j'ai toujours pas la magie qui permet de faire pousser les plantes et de passer plus rapidement. C'était par où, Barmik? Tu te souviens? Qui était là la dernière fois. Hop. Tac. C'est pas de sympa de s'attaquer à celui qui a le moins de PV. Je me souviens bien du lieu mais plus des directions, c'est déjà ça. On va finir par y arriver. Hein. Bah écoute, apparemment c'est par là. Donc là j'ai toujours pas la magie flambée. J'ai toujours pas la magie gelée. Je pense que ce sont des choses qu'on apprendra plus tard. Comme je le disais quand on y est passé pour la première fois. On apprendra à faire ça plus tard. Hop. Tac. J'ai la flemme de faire dans le détail. Vous prenez tous les attaques les plus fortes. Point.
l'impression que les sprites, les armes changent en fonction des armes équipées. C'est plutôt petit détail sympathique. Voilà, donc c'est ça qu'on pourra faire plus tard. Quick. Hop. Donc, ça sert. Je me souvenais bien qu'il fallait faire ça. Mais je me souvenais plus que j'avais déjà ouvert le coffre. Je pensais que ça menait à la sortie. Et comme quoi. Allez, boum. Tout le monde en prend pour son grade. Voilà. Hop. La sortie était bien évidemment juste là. Ok. Pas par là, mais j'ai vu un pont par ici, donc on va suivre le pont. Des gnomes. On est passé en pignome. Et cette fois-ci, on a un peu moins peur de se prendre des baffes, dans le sens où on s'est équipé. Et eh bien voilà un village, le village 10 000. Oh, petit détail, on laisse des empreintes dans la neige. Le jeu a 20 ans, d'accord. Et il y a des jeux qui aujourd'hui sortent en 2024 du coup, qui ne sont pas capables de faire ce petit détail. Voilà. Hein, c'est pas grand chose, mais c'est la classe. C'est la classe, et on va commencer par aller fouiller les maisons des gens, si j'arrive à rentrer, voilà. Hop, bonjour madame. Épidémie à Emile en ce moment. Vous devriez partir illico si vous voulez pas tomber malade. Ça va, j'ai de la magie de soin, qu'est-ce que c'est? Je t'ai demandé de lire dans tes... Non mais... Sophia s'occupe de tous les malades de la ville. Je ne veux pas lui coller encore plus de soucis. Ah, c'est pour ça qu'elle nous dit de nous casser. Qu'est-ce que t'as chez toi qu'on pourrait voler? Coffre. Non. Coffre. Une bouteille vide. Elle a rien vu. Rien. Le vieux monsieur non plus n'a rien vu d'ailleurs. Je l'avais pas vu jusque-là. Mais. Rien dans le coffre. Est-ce qu'on peut voler la soupe? Du porridge. Qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on est malade? Alors, techniquement, la soupe de poulet aux nouilles. Voilà. Si vous la faites vous-même, apparemment c'est le meilleur moyen de se réhydrater, d'avoir plein de protéines et plein de tout, plein de vitamines et de choses. Voilà, c'est le moment santé de la vidéo. Aidez-moi! Grand-père, grand-père, tiens bon! Ah non, c'est terrible! Trouvez Sophia, je vous en prie, trouvez Sophia! Ben voilà, un moment. Ça fait mal! On peut lui reparler comme ça pendant des heures. On peut dormir dans votre lit pendant que vous êtes malade, non? Le tas de bois.